Bien sûr. Bon, je m'appelle Mehdi Farahi, j'ai 23 ans. Je suis un latéral gauche que j'ai fait mes débuts à l'RC Kouba en tant que petit. Et j'ai passé ensuite à l'Académie de Parado où j'ai fait ma formation là-bas. Et après, sur des causes bien précises, je suis revenu à l'RC Kouba à qui j'ai fait, alhamdoulilah, j'ai fait une année pleine, fadal rabbi subhanahu. Les khalatni win les bon rabbi subhanahu dans tous les cas, les khalatni win lhaq lhenaya lhad le très grand club que j'ai l'honneur de porter ces couleurs. Bon, c'était au début, j'avais des contacts avec monsieur Sadiq Mohob qui m'a proposé la Nino Houait, ils m'ont proposé la JSK au beau milieu de la championnat quand il y a eu les matchs et tout. Il m'a dit que je vais tout faire pour باش نلحقك لهذا الكلوب ان شاء الله باسكو tu mérites شفتك تلعب. قلت له انا سي ان اونور سي ان غران بليزير de porter les couleurs de la JSK parce que automatiquement parce que c'est un très grand club puisque on a la famille Tanili qui aime la JSK et moi je suis fan de ce club ici en Algérie. Et c'est un club plutôt qui a une grande valeur. Il te fait parce que c'est un club qui joue la CAF, il joue la championnat, il joue les titres. Et ça motive le joueur pour qu'il soit parmi les titres, inchallah. Non. Pas tellement parce que j'ai une très grande confiance en moi-même. Après, il faut saisir la chance. Après, il faut saisir la chance qui est la chance. Il faut la saisir direct. Il est immense et il est vraiment formidable. J'ai pas mal de matchs à la JSK et j'étais apprécié les supporters à Douma. Je suis vraiment très, très fier de la club. Tennis, c'est une cause. Les supporters, ils me donnent de la volonté, de la motivation pour ce club et pour donner à fond le terrain, inshallah. Inshallah, inshallah, ma, nkoun fi hasn dhannhom, inshallah. Inshallah, ya Rabbi. Allah yahfadak, merci beaucoup.